Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs à vos grades et qualités. Il y a quelques mois de cela, monsieur Boyer-Germain, vous remettez un prix pour avoir remporté avec Emmanuel un simple concours étudiant. Notre nouveau doyen, lui aussi, a voulu nous faire un cadeau. On nous a demandé d'ouvrir cette cérémonie. Sensible à cette invitation, c'est avec plaisir. Mais non sans une certaine inquiétude. Et nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Le doyen Germain, pendant son discours d'ouverture, quand nous étions en première année de droit,
nous présentait la faculté de droit de Nancy comme une grande maison. Nous imaginions alors qu'un voyant était un peu l'âme de cette grande maison, un bon père de famille qui veille à ce que tous les étudiants réussissent dans les meilleures conditions possibles. Le matin, premier violon, il dispense cours et conseils. Quand le soir, devenu chef d'orchestre, il gère l'ensemble de la faculté de droit. Au-delà d'une autorité inhérente à la fonction, on l'imagine même doté d'une grande vivacité d'esprit. Qui, dans l'Assemblée, peut se targuer à l'instar du doyen Germain de détenir l'ensemble de la collection Carbonnier dans sa bibliothèque? Un étudiant qui se trompe commet une erreur. Un chargé de travaux dirigé qui se trompe émet un fondu. Un professeur se trompe, il crée une théorie. Et quand un doyen se trompe, personne. En termes d'étymologie, le décanus est des chefs de décade, donc de 10 personnes. Puis, il est devenu le chef d'un groupe, élu, et appelé surtout à l'université à exercer certaines prérogatives. Celui qui était élu, étant souvent celui qui exerçait le métier depuis le plus longtemps, était le plus ancien dans le corps. On associait alors le doyen à l'âge. Mais dans ce domaine, la faculté de droit de Nancy se démarque encore. Non seulement elle est la première faculté de droit de France en termes d'intégration professionnelle, mais elle a connu également des doyens particulièrement jeunes. Le doyen Grosse avait 33 ans. Quand le doyen Cajard avait 31 ans lorsqu'ils ont été élus. Peu importe l'âge, il faut rester jeune d'esprit. Car être doyen, c'est être au service d'une faculté qui se tourne avant tout vers nous, les jeunes étudiants. Le doyen Jalabert, en 1864, s'adresser alors aux plus jeunes. C'est à nous, plus jeunes, d'être, au-delà de ces 150 années qui se sont écoulées, son porte-parole. Il s'exprimait ainsi. La faculté de droit de Nancy, rétablie par l'empereur aux acclamations de l'élite d'une province à jamais française, a repris sa place au milieu des établissements de cette intelligente cité. Vouée à l'étude du droit, passionnée pour cette grande et noble science, divine par son origine, humaine par ses applications, nous sommes appelés à en être ici les intérêts auprès de ces jeunes générations avides de vérité. C'est à nous qu'il appartient de développer en eux le sentiment du juste que Dieu a déposé dans l'esprit humain, comme le sceau de son œuvre. D'éclairer ce juge intérieur que chacun de nous porte en soi, la conscience de tellement affermir les convictions sociales qu'elles résistent aux attaques de dehors, et aux orages plus dangereux encore du dedans. Messieurs les étudiants, nous comptons beaucoup sur vous, sur votre bon esprit, sur votre amour du travail, sur vos inspirations généreuses. Nous vous aimons par avance. Sans l'amour de la jeunesse, sans la passion de lui être utile, nous serions indignes de notre mission. Vous trouverez toujours en nous une indulgence paternelle unie à une consciencieuse fermeté. Se familiariser avec la science, apprendre à penser et à écrire sur le droit, avoir un ensemble fortement coordonné de principes et de règles fondamentales éclairées par leur plus importante implication, ces résultats ne valent-ils pas quelques travail, quelques persévérances? Nous aspirons à établir avec vous ces relations de maître à disciple, qui sont le charme de notre profession et la récompense de notre travaux, en attendant qu'elles deviennent l'un des plus chers souvenirs de notre vieillesse. Vous êtes responsable envers vos successeurs des traditions que vous avez inaugurées. Vos fils viendront un jour, pensez-y, s'asseoir sur ces bancs, qu'ils puissent, à la faculté et dans la ville, marcher sur vos traces laborieuses et honorées. Laissons à l'instant la rêverie nous souvenir à travers une galerie de portraits des doyens de la faculté de droit de Nancy depuis 1864.
Monsieur le doyen Noret, Éric Germain, est invité à prendre place au public. Michel Pilot, et cet ouvrage sera en vente dès demain.
Les gens pour mettre l'association des anciens. Bien, c'est ça la faculté. C'est toute une histoire, un riche legs de souvenirs que nous partageons ensemble. Mais la faculté, ce n'est pas seulement ça. C'est la volonté de continuer à faire valoir cet héritage. Et continuer, ça signifie qu'effectivement, les hommes et les femmes qui travaillent ici continuent de faire de cette faculté le cœur vivant au sein de la ville de Nancy, au sein bien sûr de l'agglomération, au sein de la région Lorraine. Cette faculté, c'est un repère pour beaucoup d'hommes et de femmes, repère pour de nombreuses professions avec lesquelles nous avons établi un partenariat extraordinaire. Les notaires, n'est-ce pas, cher François Persson et Serge Verstamp, les avocats, bien sûr, Philippe Guimard est là, et puis aussi les banquiers qui sont des partenaires très importants pour nous, la communauté urbaine et la ville de Nancy qui nous soutiennent avec force, n'est-ce pas, monsieur le maire. Et puis aussi, bien sûr, eh bien, de nombreux partenaires que sont les autres facultés, la faculté de Metz, dont je salue le vice-doyen, Pierre Tiffin, qui nous fait la gentillesse d'être présent. Et puis les autres structures, on dit des composantes, c'est pas très élégant, mais les autres structures, n'est-ce pas, mises en place par l'Université de Lorraine. La faculté, bien sûr, c'est cet esprit qui anime l'ensemble eh bien, de ses partenaires. Je pense effectivement à tous ceux qui viennent dans cette faculté pour eh bien, y développer des conférences. Je pense aux journées européennes du droit que présidait Gilles Lucasseau, remplacé aujourd'hui par Nancy Mosaïc. Je pense effectivement aux multiples conférences qui sont données au sein de nos amphithéâtres. L'accueil, bien sûr, eh bien, de prix Nobel ou de personnalités scientifiques qui viennent enrichir cette faculté et l'accueil de nombreuses personnes, comme Pierre Rabhi, par exemple, ou Jean Vanier, le fondateur exceptionnel de l'Arche, qui nous a fait l'honneur de venir ici. Vous voyez, la faculté, c'est une arme. Et la faculté, c'est aussi ce monde dans lequel respire l'esprit. C'est un lieu où souffre l'esprit. C'est un lieu où s'échangent les idées. C'est un lieu, effectivement, pétri d'humanisme. Et si l'humanisme a encore un sens dans notre société, déchirée par la recherche d'argent, la soif de pouvoir et la soif de consumérisme, la faculté se distingue, car elle, eh bien, elle recherche d'abord l'humanisme. Et elle cherche à donner à ses étudiants ce souffle d'humanisme qui manque tant à notre société. J'aime les étudiants, la force vive de cette maison. J'aime leur dynamisme, j'aime leur volonté, j'aime leur sourire, j'aime leur envie d'apprendre en venant ici, d'apprendre les règles. Et je leur dis toujours, si vous n'aimez pas les règles, quittez cette maison. Mais ils sont là, et ce sont eux effectivement qui donnent une vie extraordinaire à cette faculté. J'aime la faculté lorsque dans ce cloître républicain, les étudiants de la licence professionnelle patrimoine, eh bien, organisent une vente aux enchères qui fait ressembler cette vénérable maison à un chouk moyen-oriental. J'aime lorsque les étudiants, dans le froid de l'hiver et au petit matin, distribuent des cafés et des croissants qui leur permettent de développer leurs activités associatives, caritatives ou autres. J'aime effectivement cet esprit, j'aime les assesseurs étudiants qui forment ce pont entre, bien sûr, nos étudiants et le décanat et qui nous permettent d'être immédiatement informés de la situation. J'aime avoir créé l'IRENEE pour, et les locaux de l'IRENEE actuel pour permettre aux étudiants et aux doctorants de travailler dans de bonnes conditions. J'aime lorsque l'Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine qui accueille les étudiants d'université, qui a trouvé dans nos murs un lieu pour ses répétitions, un lieu où les étudiants peuvent développer leur art. J'aime les étudiants dans leur dynamisme, dans leurs projets, et j'aime les accompagner. J'aime effectivement leur donner des lettres de soutien et de recommandation afin de leur permettre de réussir au mieux leur projet professionnel. J'aime les étudiants.
J'aime les enseignants. J'aime les enseignants parce que les collègues qui m'entourent aujourd'hui, et je suis très touché de leur présence, m'ont toujours accompagné dans la dure part du voyant. C'est grâce à eux, effectivement, que les choses se montrent. C'est grâce à eux que les projets réussissent. Bien sûr, ils sont les maîtres de leurs cours et de leurs enseignements. Et ils aussi accompagnent nos étudiants afin de faire donner à ceux-ci le meilleur d'eux-mêmes. L'excellence républicaine, ils la cultivent. Et la volonté de réussite et d'excellence, oui, c'est une marque de notre faculté, grâce au corps enseignant. Alors bien sûr, parfois, il y a des petites tensions. Et dans les moments d'agacement, j'ai qualifié certains de pervers narcissiques. Mais bon, ils sont nombreux à mettre en vérité. Et aujourd'hui, je leur dis, avec beaucoup de gentillesse, mon cher collègue, tout est pardonné. Enfin, j'aime effectivement tous ces projets qui naissent au sein de la faculté, et ces colloques, et ces séminaires qui ont permis effectivement à notre maison d'être une grande maison. J'aime mes collègues, j'aime mes enseignants. J'aime le personnel de ces facultés. Et j'ai aimé la façon dont ils travaillent, dont ils sont attachés à notre institution. Attachés, bien sûr, alors à l'aspect extérieur des locaux. Vous avez noté combien nos équipes de femmes de service, qui se lèvent très très tôt le matin, ont à cœur de rendre les locaux parfaitement propres lorsque nous arrivons. Vous avez noté aussi l'excellence des services techniques de la faculté, dirigée par Jean-François Broyes. Vous avez vu comme effectivement la faculté est bien tenue, il n'y a pas de tags chez nous, pas d'affiches collées sur les murs. Et nos services techniques s'efforcent de garder effectivement cet aspect de notre faculté. Et en son sein, il y a des talents extraordinaires, des menuisiers ébénistes fantastiques, des électriciens hors pair, et même un jardinier qui cultive, n'est-ce pas, nos pelouses. J'aime bien sûr aussi les services techniques, nombreux. Le service des relations internationales, celui de, bien sûr, de la professionnalisation. J'aime le service de la reprographie. J'aime effectivement ceux qui travaillent dans le service des finances. J'aime le service, bien sûr, des examens diplômes. Rendez-vous compte qu'ils brassent chaque année 2 personnes, et une quasiment, brassent plus de 100 000 notes qu'il faut répartir et attribuer aux étudiants sans aucune erreur. J'aime le service de la scolarité avec la souriante Brigitte Zollstein et l'ensemble des personnels qui l'entourent et qui font marcher cette faculté. J'aime le secrétariat général. J'aimerais rendre un hommage vibrant à M. Christian Abba-Péréa. Avec lui, ces 5 années ont été un vrai plaisir. J'ai toujours trouvé auprès de lui un vrai soutien. Et nous étions complices dans de nombreuses affaires, telles que la verrière, l'achat du portrait de Napoléon qui orne désormais les murs de la faculté. Merci Christian pour ce que vous faites. J'ai vu en vous un très grand serviteur, animé d'une véritable mission de service public. Je suis très fier d'avoir travaillé avec vous. Merci. Et puis j'aime le secrétariat du doyen et sa secrétaire, Marie-Christine. C'était un plaisir de travailler avec vous. Vous êtes toujours d'une humeur égale, vous êtes souriante, enjouée, vous êtes très compétente, très vigilante, et vous m'informiez quasiment quotidiennement des affaires que j'aurais pu oublier. J'en oubliais. Et donc, vous étiez là, la permanence et la cheville ouvrière de ce décanat. Merci pour tout ce que vous avez fait. J'étais très heureux avec vous. Et puis enfin, entrons dans le bureau du doyen, et là, on rencontre les 3 vice-doyens. Pascal Etienne, Sabine Guillot, Jean-Luc Prévost. 3 vice-doyens qui, quotidiennement, m'ont aidé, m'ont appuyé, quotidiennement ont réglé les 10 000 difficultés qui se rencontrent et que soulève le fonctionnement de cette maison. Et ils ont ainsi aplani le travail du doyen, comme je suis reconnaissant vis-à-vis d'eux de l'aide qu'ils m'ont apportée. Mais, comme chez Alexandre Dumas, où les 3 mousquetaires étaient 4, les 3 vice-doyens étaient 4, et le 4e était Fabrice Carmer, vice-doyen chargé du centre d'études juridiques d'Épina. Fabrice Carmer, ai-je besoin de vous présenter? C'est vraiment le meilleur d'entre nous.
Ah oui, Bertin, c'est l'enfant de la maison. Et vous avez vu d'ailleurs son visage encore en flamme lorsqu'il est arrivé, bien sûr, dans cette faculté. Fabrice Gartner qui a été brillamment reçu au concours d'agrégation. Fabrice Gartner qui dirige un des grands Master 2 contre un droit public. Fabrice Gartner qui dirige aussi un cabinet d'avocats. Fabrice Gartner qui a un talent d'homme de théâtre et de metteur en scène, ce que vous voyez aujourd'hui. Fabrice Gartner qui est devenu ainsi, eh bien, doyen de cette faculté. Je vous préfère un aveu. Il y a 5 ans, juste après mon élection, j'ai invité. Et je lui ai dit, voilà Fabrice, je suis élu désormais, mon mandat est de 5 ans. Dans ces 5 ans, je quitterai cette fonction. J'aimerais vraiment que ce soit toi qui devienne doyen de la faculté de droit. Et les choses se sont bien arrangées. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est un honneur, un plaisir, un bonheur. J'aime que Fabrice Gartner devienne le 39e doyen de notre faculté de droit. J'aime. Alors, je pars. Avec le collégium, et je remercie la directrice adjointe présente aujourd'hui,
collégien qui a soutenu tous les projets que nous avons présentés depuis mon élection. Bonne relation aussi déjà avec la présidence, dont je salue les vice-présidents et remercie le président du message de soutien qu'il m'a apporté tout à l'heure. C'est encore dans le souci de ne pas imposer d'en haut qu'a été conduite sous la houlette de Brigitte Wolfenstein la réorganisation déjà de nos services de scolarité avec la participation active et même souriante d'une équipe dont j'ai déjà compris, mesuré et observé toute la disponibilité et à l'écoute des observations des collègues impactés, comme on dit dans le langage aujourd'hui. Les personnels techniques, dont on voit chaque jour à quel point, vous l'avez dit, M. le Moyen Honoraire, ils aident notre maison et qui ont mis en place le dispositif du jour sous l'autorité de Jean-François Royer, ont pu exposer déjà leurs difficultés, certaines sont en cours de traitement. Les étudiants ont pu exposer leurs projets, je n'en ai pas découragé un seul. Pas de sceptre donc, et d'ailleurs, mon éducation me l'interdirait. La dictature serait contraire à l'éducation que j'ai reçue de mes admirables parents, toujours soucieux de me voir gravir les échelons, mais qui n'auraient pas été fiers d'avoir un tyran à leur table. Et mes maîtres, au suite, me dissuaderaient du sceptre. Ces hommes d'exception qui avaient compris mes dispositions assez nettes pour une modestie ont tout fait pour m'en éloigner, par touche. Paul Jacquet, le plus grand des pédagogues que j'ai jamais connu, qui m'a donné envie d'être professeur et doyen, et qui me voyait gesticuler un peu, me disait, vous savez Fabrice, Paul Valéry disait, il faut tuer la marionnette qui est en nous. Appel subtil à me voir cesser de brasser de l'air. Yves Weber, qui a fait de moi un administrativiste, répondait à ma tendance à pontifier en susurrant sur le ton de la confidence « Il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau. » Jean Charpentier, mon directeur de thèse, qui m'a permis d'avoir la chance d'être allocataire, m'incitait à mieux m'expliquer dans ma thèse en ces termes. En lisant votre plan, j'ai pensé à Coluche. Il lit des bouquins, je ne comprends même pas le titre. Mes collègues également m'écarteront du cercle. Le président de l'université, Pierre Butzenard, a déclaré récemment à la presse « Être président, c'est être berger d'un troupeau de chats. » Impossible de dresser un chat, dit-on, sauf peut-être au cirque de Moscou, monsieur le consul général de la Fédération de Russie, vous faites l'honneur de votre impossible en tout cas, même au cirque de Moscou, de dresser un universitaire. Mais je sais qu'on parvient, si on a de la méthode avec les collègues, à faire avancer les dossiers pour eux, pour leur faire confiance. Et enfin, mes doutes, il me faut rejeter le sceptre. Mon cabinet d'Épinal a vécu pendant un an le questionnement sur la candidature, et celui de Nancy vit aujourd'hui le balai permanent des visiteurs dont je recherche l'avis. Merci Amélie, merci Marie-Christine. Merci aux vice-doyens, Pascal, Sabine, Jean-Luc et désormais Patrice, de leur patience. La masse n'est pas un fait, mais bon, puisqu'il fallait donner à ce discours une profondeur scientifique inégalable, j'ai voulu filer un peu la métaphore. Et si ce magnifique et symbolique objet était une baguette magique? Pas très économique, diront les perfectionnistes, mais les rigueurs m'accorderont qu'elle a la finesse de la fée qui dit. N'ayant pas la prétention d'être la fée Clochette et sachant qu'on peut me trouver plus de ressemblance avec le Père Noël qu'avec elle, les cadeaux en moins, je me suis demandé ce que je ferais apparaître en priorité si cette chose était une baguette magique. Si je devais par magie faire naître ou renaître, ce serait à n'en pas douter le français. La langue, la belle langue française qui devrait être l'instrument privilégié de nos facultés, surtout la nôtre, y subit aujourd'hui des assauts épouvantables. Et je veux affirmer ce soir que j'entends que cette masse redevienne avant tout le symbole d'un français qui retrouve sa place parmi les acronymes universitaires, le galimatia estudiantin et la logorée ministérielle. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je viens d'annoncer le plan. Les acronymes universitaires, le galimatia estudiantin et la logorée ministérielle. L'acronyme université. Nous vivons de l'université, la nôtre, toutes les autres d'ailleurs, dans un monde de sigles ou d'expressions.
français normal. On ne travaille plus à la maison, on est en auto-formation. On ne vient plus en cours, on est en présentiel. On ne choisit pas une matière, mais un élément constitutif. On ne dit pas un cours TD, comme à mon époque, mais un enseignement intégré. On n'est plus en deuxième année, donc on est en S3, S4. Grâce au LMD, on ne compte plus en année, mais en semestre qui dure 4 mois. Du coup, on ne réussit pas son année, on valide ses semestres, on ne conserve pas une note, on capitalise les unités. Si on n'a pas son S3, S4 tout de suite, on sera reçu collé, non pardon, on aura une dette modulaire et on sera à jour. À journée, admis, conditionnel. Pourquoi faire? Eh bien, Marc, il faut cacher la vérité. Évitez d'avoir à dire en face à un étudiant qui n'est pas fait pour le droit ou l'économie. Le verbiage déguise ce qu'on n'a plus en France, le courage de dire l'étudiant a échoué. Et pour faire croire en échange qu'on va engranger des points au fil des années, on ne dit donc pas avoir son année à l'usure, mais capitaliser les unités. Nous voyons aussi dans ce français pseudo-technique dans l'administration. Alors voici une phrase de Jean Normand. Nous devons recruter des enseignants, leur affecter des matières, trouver une salle, un créneau horaire et ensuite les rémunérer. En vérifiant que le coût de formation reste raisonnable. Par la merveille de l'informatique, cela devient. Il faut entrer l'intervenant dans Arpège, codifier son cours dans Apogée, lister le site dans Sibi, entrer le cours dans ADE, valider le paiement dans Eve et estimer le coût acheté des dans Actu. Lorsque Christian Abapéréa m'a dit avec un immense soulagement qu'il avait centralisé les données du paiement, je me suis réjoui en soulignant que personne ne l'ait entendu dire « J'ai tout mis dans elle ». Parce que le temps qu'on passe à scruter les indicateurs, à alimenter les ordinateurs en données, à se pencher gravement sur nos indicateurs de performance, on ne passe plus à discuter. Les yeux rivés sur les tableaux de bord, incapables de parler simplement, on ne regarde plus la route. Recommençons à parler, à dire, à critiquer, à argumenter, et essayons d'oublier le charabia technique. Le galimatia est étudiante. Moi aussi, j'ai des étudiants. Mais ils ne sont pas toujours amis avec le français. Il y a 10 ans, même presque 15 étudiants avaient le téléphone portable greffé à l'oreille et il se passait pas un coup, on entendit une musique de variété montée du fond d'un sac ou d'un manteau. Un enseignant d'ailleurs qui reconnaissait le morceau faisait un tabac. L'étudiant a intégré des informations selon lesquelles l'émission d'ondes fait prendre des risques à ses neurones, alors du coup, aujourd'hui, il a appris au lycée, il textote. Bon, sur la forme, le moyen de communication présente l'avantage du silence, sauf quand l'avertisseur de message reproduit le cri du singe des nœuds, on prononce une phrase distraite du genre « un message crétin ». Bon, sur le fond, le SMS, qui est « short », comme son nom l'indique, interdit pendant toute conversation subtile, le langage n'étant pas des plus raffinés. Mais ne désespérons pas, car les étudiants ont découvert les mérites du mail. On pourrait se réjouir du retour en force de l'écrit, si oubliant que toute électronique qu'il est, le mail reste un courrier, l'étudiant ne s'y exprime avec la convivialité de la conversation ordinaire. Ainsi, au lieu d'une lettre libellée au nom de l'étudiant Brandon Dupont, qui commencerait par Monsieur le Doyen, vous voyez apparaître l'expéditeur Toutoun 570, qui commence son texte par Bonjour. On avait supprimé Mademoiselle, mais vous n'êtes même plus Monsieur ou Madame, vous êtes Bonjour. Bien entendu, la formule de clôture est à l'avenant. Pas de salutation respectueuse, point de sentiment dévoué, l'heure à la détente. On reçoit du bien à vous. Ou cordialement. En attendant qu'un jour arrive, gros couteau. Les anthropologues que nous sommes, mes chers collègues, observent d'ailleurs que le langage texto a tendance à envahir les copies, dégradant encore une orthographe souvent étrange. Pour pardonner aisément les erreurs de fond, la phrase trahit un raisonnement curieux. En l'espèce, par exemple, je cite une copie, Bernard veut mettre fin à son mariage, mais sa femme n'est pas morte.
Le décès n'est donc pas envisageable. Bien, le président de la République est renouvelable, partiel, tous les trois ans. Encore, la faute lourde est une faute grave que l'on apprécie en fonction de la gravité de la faute. On connaît les raccourcis historiques. Charlemagne a été sacré, c'est vrai, en an 800. Exact, par le pape. Oui, Léon, c'est juste. Blum. Dieu, de Gaulle a été le premier ministre de Pétain. J'ai plus étonné encore à l'égard de la loi Badinter. Mais la structure même des mots est tellement déformée que parfois le correcteur doit lire à haute voix pour comprendre. C'est facile encore avec le poteau rose. C'est déjà plus compliqué lorsque le même juge ordonne un test ADN. Mais quelle perplexité pour le correcteur, c'était question du gars de la Poissonnerie il y a quelques années, appelé à identifier le Papineau 103. Comme le disait Pierre Desproges, un des plus grands doctrinaires du siècle passé, je ne serais pas été plus avancé si j'aurais lu tous les livres. Certes, il y a un fossé entre ce qu'écrivent les écrivains et ce qu'on devrait lire. Pourquoi ? Oh, je crois qu'aujourd'hui, le lycéen n'a pas grand-chose à dire. Il communique, l'information circule, mais elle n'a aucun intérêt. Alors lorsqu'il s'agit, à ce qu'on lui demande, de véhiculer enfin une idée, le vocabulaire pour la formuler est forcément réduit. Il faut mener le combat du français et nous ferons entrer le projet Voltaire dans notre maquette de première année dès l'année 2017. Les étudiants auront demain des ECTS pour parler français. C'est un peu triste, mais c'est nécessaire. Sans cela, mesdames, messieurs, dans quelques années, quand un recruteur posera à l'étudiant la question la plus terrible, que savez-vous faire ? L'étudiant finira par le répondre. Ouais, je gros, je ne sais rien faire, mais j'ai capitalisé mes modules. L'allégorie ministérielle. Nous devons tirer nos étudiants hors du monde invraisemblable duquel ils viennent, avec des maîtres déroutés et des administrations préoccupées seulement du taux de réussite du bac. Et pour cela, nous essayons de leur donner des diplômes crédibles assis sur un contrôle sérieux des connaissances. Alors, en bon syndic, nous persistons à organiser des examens, vocabulaire complètement donné de l'éducation nationale, qui peut faire des évaluations, évaluatives, formatives, diagnostiques et conclusives. Nous persistons dans la regrettable habitude de leur donner des notes, mais ne courons-nous pas, mes chers collègues, le risque de les stigmatiser. Les chiffres ont un sens, eux aussi, traduits. Et le classement de la ville, la réussite ou l'échec, l'entrée ou pas dans la vie professionnelle. Alors, faudra-t-il un jour que nous notions aux étudiants des smileys ? Il y aura le rouge, très fâché, puisque la copie n'est pas là. Le jaune un peu grimaçant, mais que l'étudiant aurait pu faire mieux. Et le vert, content. Imaginez, mes chers collègues, nos délibérations. Imaginez comment on va calculer la couleur résultant de la moyenne des smileys de plusieurs matières. Imaginez que nous aurons gravement à décider si le petit bonhomme jaune doit passer au vert. Imaginez quand nous devons trancher pour les mentions. Vert olive pour le passable, vert tendre pour assez bien, vert anglais pour bien, et pour très bien, alors vert bouteille pour fêter ça. Cette dérive s'explique, elle survient lorsqu'au-delà des formes et pour avoir l'air de mépriser un bateau qui va à la dérive et nous envoie des étudiants non formés, on finit par remplacer les mots qu'on connaît ou les chiffres qui ont un sens par des expressions nouvelles, complexes ou trop simples.
Tout le monde se souvient du ballon. Beau de 6 lettres, enfin 5 en texto, on avait rebaptisé à l'éducation nationale le référentiel bondissant. Dans un rapport relatif à l'exercice des activités sportives, on apprenait que les gestes que l'on effectue au volley-ball sont, je cite, l'aboutissement d'un processus mental, que la reprise basse en volley-ball se rattache à la catégorie des téléocinèses, mais qu'en plus elle exige la construction d'un référentiel exocentré et une orientation axiologique. Et lorsqu'on veut dire où est le ballon, une expression parfaitement correcte, on cherche en réalité à garder en cohérence le système de coordonnées personnelles avec le référentiel bondissant. L'élève devient l'apprenant, le professeur est un appreneur, l'ensemble des apprenants qui sont au même niveau de parcours forment une cohorte. L'exercice d'écriture devient une recherche de motricité rapprochée. Un bras, se dit segment manipulateur antérieur, qui tient un stylo que Madame Ségolène Royal, à l'époque ministre de l'Éducation nationale, décrivait en ces termes dans une circulaire. Ah, depuis de nombreuses années, dès le cycle des approfondissements de l'école primaire, et plus encore dans les classes de collège, on peut constater que de très nombreux enfants, droitiers ou gauchers, ont de réelles difficultés à tenir un instrument scripteur. Cette difficulté tient sans doute au fait qu'aujourd'hui, ils utilisent un transiteur d'informations dématérialisées, c'est-à-dire une tablette. Donc celle-là, c'est moi qui viens d'inventer, c'était juste pour le plaisir. Voici comment se passe un cours de judo dans l'éducation nationale. Alors, les techniques d'observation directe ont permis d'objectiver un besoin d'attachement groupal compulsif. Dans un intervalle de temps limité, chaque élève est contacté plusieurs fois par l'ensemble des élèves de la classe, selon une distribution précise et régulière. Ces contacts sont saturés en interactions motrices de percussions agressives simulées, de contacts préhenseurs enveloppants, de fantaisies ludomotrices, de postures inversées et contorsionnées associées souvent à des phénomènes d'entassement et de frappe groupale. On devrait perfectionner l'internement d'office. Pourquoi ? Parce que l'éducation comprend sa propre faillite. L'école est un vicieux hautement suspect que, alors qu'elle se gausse jusqu'au baccalauréat du taux de réussite, elle nous demande à nous de lutter contre l'échec. Le lycée réussit, le lycéen réussit et l'étudiant échoue. C'est vrai que statistiquement, c'est une réalité. Mais au lieu de la traiter avant l'université, nos responsables nationaux, qui ne savent plus visiblement quoi donner à faire à leur direction centrale, perdent progressivement le contact avec la réalité. Exiger des étudiants qu'ils écrivent français, c'est les préparer à l'excellence et donc à l'emploi. Le français, ses mots, ses chiffres, ses expressions, ses tournures, son protocole, sont des atouts de notre excellence. Ne nous en laissons pas dépouiller par confort ou par démagogie. Exigeons même entre nous que tout passe par son usage modéré et raffiné. Bâtissons les formules simplificatrices, les textes qui fâchent parce qu'ils sont trop courts et sans nuance. Il faut réapprendre à parler, à écrire, à parler aux autres, à nous. Avant de conclure, je voudrais appeler l'ensemble des enseignants qui se trouvent dans la salle et les personnels administratifs et techniques à nous rejoindre à l'issue de mon discours sur la scène pour faire une photo de famille. Avance. Je pourrais vous inviter à opérer un mouvement groupal pour vous projeter dans l'espace extérieur afin de profiter d'un moment interstitiel de détente en partageant un élément consommable de convivialité. Mais, mesdames et messieurs, je vais utiliser la baguette magique et je vais en toute simplicité vous dire le verre de l'amitié vous attend.
Thank you.